Le 8 janvier 1971, le paquebot Antilles et ses 700 occupants filent doucement sur la mer des Caraïbes en direction de la Barbade. Il est 16 heures. Le commandant Kerverdo vient de changer la route du bateau. Il ne sait pas encore que le navire court tout droit à sa perte. Les conditions météorologiques étaient vraiment excellentes, il faisait beau, et le navire était un peu en avance sur son programme. J'ai tracé la route pour passer entre l'île de Moustique et l'île de Bekia. Il y a eu de secousses, comme une sorte de tremblement. Le navire s'est arrêté.